Joanne Mitchell, on est dans une approche véritablement révolutionnaire dans le sens que c'est la mise en place de la grande abstraction de l'après-guerre mondiale. Moi j'ai trouvé que la conférencière aujourd'hui était plutôt intéressante, même si elle nous a raconté beaucoup d'histoires, mais ça nous a permis de rentrer un peu dans le monde de chacun. Cette exposition pose beaucoup de questions, c'est-à-dire que cette volonté de mettre ensemble deux peintres, deux grands artistes, parce qu'ils vivaient ensemble ou qu'ils ont vécu ensemble pendant près de 50 ans, c'est intéressant, mais ça peut aussi en même temps fermer le discours de chacun et cette volonté de confrontation à chaque fois d'une toile de l'une face à une œuvre de l'autre, alors c'est intéressant parce qu'on voit des différences, on voit des correspondances, on voit des relations entre chacun, mais ça pose question. Et alors bien sûr, en même temps, c'est très intéressant de voir que, faut savoir que Riopel est véritablement une star au Canada. Riopel, c'est le Picasso du Canada, c'est l'artiste officiel du Canada depuis longtemps. Et il est extrêmement connu donc dans son pays, aussi en France. Il y a des œuvres de lui dans beaucoup de musées nationaux, dont le musée de Rennes, où il y a une œuvre. Vous en avez au musée de Toulouse, vous en avez dans pas mal d'œuvres de musées de province. Au centre Pompidou aussi, vous avez vu qu'il y a des prêts d'œuvres qui venaient du centre Pompidou. Et en fait, pendant les années 50-60, Joanne Mitchell était un peu victime d'une lecture machiste de l'art, qui faisait que la star, c'était lui, et elle, on en parlait un peu moins. Et puis, l'histoire de l'art évolue, les lectures de l'histoire de l'art évoluent, et maintenant, c'est vrai que du couple, celle qui prend le plus le devant, c'est Joanne Mitchell, qui est vécue comme une très grande coloriste, une grande inventeur une continuation de l'expressionnisme abstrait. Donc ce mouvement né aux États-Unis dans les années 50, on a vu on parlait de Jackson Pollock, même si justement elle n'est pas finalement dans ce même rapport de l'expressionnisme abstrait, parce qu'on en parlera un petit peu des différences. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est que cette exposition, finalement, elle arrive de Montréal, elle a été à Toronto, elle arrive maintenant en France, et c'est un peu aussi une manière de revaloriser aujourd'hui le travail de Riopel via sa compagne de l'époque. C'est un couple, on en parlait en riant un peu avec Dominique quand vous regardiez les biographies, le titre de l'exposition, donc... parle de comment exactement, je sais plus, de des mesures. Voilà, de des mesures. Alors des mesures outre dans leur œuvre, mais aussi des mesures dans leur vie, parce que c'était un petit peu un couple diabolique, c'était un peu les amants terribles, c'était un peu la belle et la bête, rien que sur une image comme celle-là. Je parle de ça parce que c'est des peintres qui ont été beaucoup des critiques d'art, d'historiens d'art des années 60 qui les ont côtoyés, ont toujours été racontent leur terrible bagarre l'un à l'autre. Et c'est toute une génération d'artistes, de ces peintres qui avaient quand même justement Van Gogh en tête et qui abusaient plus qu'il n'en faut d'alcool. Si vous voyez dans les fours, dans l'exposition, on voit des bouteilles de whisky, des bouteilles de Ricard, ici vous voyez des bouteilles... Enfin, et dans leur peinture, on parle de l'abstractionnisme abstrait américain, des personnes comme Pollock, des personnes comme de Kooning, c'est toute une génération des années 50-60 qui carbure quand même de manière assez terrible. Et donc il y a, c'est dans ces légendes de couple, ces histoires d'amour qui finissent mal, de couple... qui avait en tête essentiellement la peinture, l'art, et qui aimait aussi quand même un peu picoler. Enfin, c'est un détail, mais quand même qui peut avoir un peu d'importance dans leur rapport assez sauvage l'un à l'autre. Ce qui est intéressant quand même dans l'exposition aussi, c'est dans cette confrontation des œuvres les unes à côté des autres, c'est de voir que finalement, on voit toujours des points communs, mais... Moi, ce que je trouve souvent, c'est que finalement, on comprend très vite que chez Riopel, il y a quelque chose de très graphique,
de très gestuel, qui renvoie à quelque chose de comme à un mur en fait. Alors que chez Joan Mitchell, il y a ce côté beaucoup plus aquatique, beaucoup plus fluide. Et souvent, autour, vous avez vu que finalement, le blanc est souvent présent. Et on est un peu dans cette tradition de la peinture qui est une fenêtre sur le monde. Dans la présentation que je voulais voir aujourd'hui, c'était de revenir un petit peu aux sources de l'abstraction aussi. C'est-à-dire, vous parler d'où vient cette révolution formelle qui a marqué le XXe siècle, et à partir de là, de montrer les différents ou grands mouvements de l'abstraction dans les années 50 à Paris et à New York. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que Riopelle est lié à un courant qu'on appelle la deuxième école de Paris, l'abstraction lyrique française, marqué par des artistes aussi étrangers comme Hartung, dont on avait vu l'exposition, vous avez peut-être vu l'exposition au Centre Leclerc. Mais donc, et en même temps, Joan Mitchell est beaucoup plus liée à l'abstraction américaine. Alors, on a parlé dans la présentation de Jackson Pollock, on parlait de Rothko. Il y a un nom qui n'a pas été cité, qui est un des artistes pourtant les plus importants de cette période de l'abstraction américaine et qui est très très visible dans les premières œuvres de Joan Mitchell, qui est Archil Gorky. Et Archil Gorky est un des peintres qui a été très influencé par le surréalisme et qui va être un petit peu un des premiers, un des pères de cette abstraction américaine. Donc, quelques portraits encore qu'on a trouvés dans l'exposition. Là, il y a quelque chose aussi dans la technique, on peut peut-être dire un mot. Riopelle, justement, comme Pollock, souvent travaillait au sol, travaillait aussi par impression, par collage, enfin, toile sur toile, alors que Mitchell, justement, elle travaille de manière verticale et qu'elle va mettre en avant justement cette technique de coulure. Trappeur supérieur, c'est comme ça qu'appelé, donc, a été nommé Riopelle par André Breton, parce que Riopelle va être très vite intégré au groupe des surréalistes quand il va venir à Paris. Et on voit donc chez lui une sorte de tradition, de renouveau de l'automatisme mis en place dès les années 20 par les surréalistes. De son côté, impressionniste de Chicago, c'est un peu entre guillemets parce qu'elle ne s'est jamais vraiment non plus réclamée impressionniste, mais elle vient justement de Chicago et le Chicago, donc il y a ce fameux grand lac Michigan et une nature extrêmement présente. On l'appelle la The Windy City, la ville du vent, et qui est entre justement une frontière avec le Canada, très présente dans aussi la tradition américaine d'une grande ville d'architecture, et puis c'est aussi une grande ville de parc. Et Joan Mitchell, souvent, va revenir à ses impressions d'enfant sur le lac Michigan. Voilà, c'est pour ça qu'on peut parler de son rapport à l'impressionnisme. Donc, elle ne s'est pas installée par hasard à Vétheuil sur les pas de Monet. Il y a cette volonté de rapport à la nature qui est extrêmement fort chez elle, et aussi paradoxalement à l'eau. Souvent, on pourrait dire, là, surmontrer un peu leur différence. Je vous parlais peut-être de Riopelle qui pouvait être le mur et Joan Mitchell une certaine fenêtre. Et dans la couleur, on pourrait imaginer que Riopelle, c'est le rouge qui domine, et chez Joan Mitchell, le bleu. Vous voyez un petit peu les. Donc deux tempéraments différents, mais qui se rencontrent aussi via ce personnage dont on n'a pas beaucoup parlé dans l'exposition, qu'on n'a même pas d'ailleurs cité dans l'exposition, et dont je regardais avec Eric, je n'ai pas vu la photo d'ailleurs dans la chronologie, et qui est pourtant un personnage extrêmement important pour ces deux artistes et pour l'art à Paris, qui est Jean Fournier. Jean Fournier était libraire à Paris et a ouvert dans les années 50 une galerie dans différents endroits, rue du Bac, rue Quincampoix. La galerie existe toujours à Paris aujourd'hui, rue du Bac. Et Jean Fournier va être un des artistes, enfin, un des galeristes qui va s'intéresser le premier aux expatriés américains comme Riopelle, comme Joan Mitchell. Et qui va intégrer dans sa galerie très très tôt,
Riopelle, je pense, dès les 57, dans mon souvenir. Riopelle est présenté par un des grands artistes de la galerie Fournier qui s'appelle Simon Antaille, dont je vous montrerai des œuvres tout à l'heure. Simon Antaille, c'est un des grands peintres abstraits d'origine hongroise et qui est aussi lié d'une manière ou d'une autre au surréalisme. Il dit qu'il peignait à l'aveugle, il travaille sur le pliage. Et l'intérêt de Jean Fournier pour la peinture, ça va être justement de défendre une abstraction très liée à la continuité de Matisse, une abstraction très marquée par la couleur et marquée par l'émotion. On peut parler des œuvres qu'on a vues, mais en même temps, un des camarades, le premier mot qu'il m'a dit quand on est arrivé, il m'a dit bah, « tu me parlais de feeling ». Et c'est le mot le plus important dans la peinture de Joan Mitchell et aussi peut-être chez Riopelle, c'est des questions de feeling. On parlait de jazz, on parlait de musique. Joan Mitchell, elle travaillait la nuit en écoutant du jazz. Elle était d'une famille de gens lettrés et la poésie était extrêmement présente chez elle. Et c'est cette génération qui est née à New York avec le bebop ou avec Coltrane, ou avec Miles Davis, et on peut sentir dans cette peinture quelque chose de très très musical. Il y a cette petite sonate proustienne qu'on trouve dans l'œuvre de Joan Mitchell, qui est liée justement aussi à cette peinture de l'impression, de la mémoire, et qui renvoie fatalement à Monet, et qui peut faire un lien justement avec les sensations qu'on a dans la petite Madeleine de Proust, d'un monde qui revient en mémoire. Pour quitter un petit peu nos deux protagonistes et revenir sur justement ce que je vous disais tout à l'heure, les pionniers de l'abstraction, je me suis permis de vous faire un petit listing. Bon, c'est vraiment tout à fait un peu scolaire et pas à suivre à la lettre, mais c'est simplement de dire d'où viennent donc tous ces courants de l'abstraction. Et ces courants de l'abstraction, donc c'est quand même un des mouvements les plus importants du XXe siècle, même si l'abstraction, en général, existe depuis bien longtemps. L'abstraction, si on regarde l'architecture grecque, on voit des ornementations, les fameuses grecques, enfin, dans la nature, l'abstraction est extrêmement présente. Un des artistes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, et avec qui on a fait une exposition avec Eric, et qui était en plus un camarade, pour parler de Ladislas Kino, et qui était justement dans cette lignée après des abstraits des années 50, il disait que face à un bateau, le peintre figuratif peint le bateau avec son mât, sa coque. Le peintre abstrait doit justement lui imaginer la quille du bateau, et il doit descendre jusqu'aux assises du monde, pour citer Cézanne, c'est-à-dire qu'il doit descendre jusqu'au fond et remonter et avoir une notion aussi bien du ciel que de la mer pour arriver à l'essence même du bateau et dépasser la simple forme figurée du bateau. Donc cette problématique justement de peindre non pas simplement ce qu'on voit mais aussi ce qu'on ressent ou ce qu'on imagine va être un des mouvements, une des révolutions les plus importantes du XXe siècle. Alors on aime à dire qu'elle est marquée par son origine par Vassili Kandinsky et les fameuses premières improvisations et compositions de Kandinsky des années 1909-1913, à l'époque Kandinsky est encore à Munich et qu'il est extrêmement marqué par la musique de Wagner, qu'il est justement aussi touché, c'est une lecture actuelle de synesthésie, donc de confusion des sens. La musique lui fait voir des couleurs, la couleur lui fait entendre des sons. Donc il y a cette fusion des sens un peu rimbaldienne, comme dans le poème Voyelle de Rimbaud. Et en même temps, chez Kandinsky, donc cette mise en avant de la musique, d'un certain lyrisme et d'une très grande vitalité, d'une très grande renouveau face à la nature. Alors, son ami Paul Klee, qui lui est aussi très marqué par la musique, qui va mettre en avant justement la notion de mouvement, la notion d'enfance. Et il y a beaucoup de points communs avec Paul Klee et Riopelle
par exemple, dans le traitement des quadrillages, dans le traitement donc, de petits carrés comme ça qui vont se répéter. Casimir Malevitch, qui lui va justement être un des autres pionniers de l'abstraction, mais qui va pousser l'abstraction à ses limites, au fameux carré noir, au fameux cercle noir et à la fameuse croix noire, donc une iconographie extrêmement réduite autour de formes géométriques. Picabia, qui lui sera plus marqué par après le mouvement Dada et le surréalisme, mais qui à l'origine est aussi très marqué, justement, on verra quelques tableaux, par la danse et la musique et le dynamisme et donc des formes abstraites en mouvement. Alberto Magnelli, qui est un des grands amis de Kandinsky, qui est lui qui vient du mouvement futuriste italien et qui va arriver à une abstraction très géométrique, mais marquée justement aussi par la transparence. Son ami Hans Arp, qui lui rapprochera, si vous voulez, l'art à la nature, qui dit que l'art est un fruit, et qui aussi va vouloir rejeter, on va dire, la rationalité humaine, parce qu'en même temps, c'est aussi une génération qui va être extrêmement marquée par la guerre et la guerre 14, et qui va rejeter d'une certaine manière la culture dominante pour la mise en avant de la poésie. Robert Delaunay, au même moment, qui est lui très marqué justement par les inventions de l'époque autour de la redécouverte de Newton et aussi la découverte de l'aviation, donc c'est aussi une autre manière de voir le monde qui va aussi extrêmement toucher Malevitch par exemple, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est les premiers vols aériens, donc tout d'un coup on a une image de la Terre complètement différente qui devient justement abstraite, qui sont des champs, des carrés colorés. Donc c'est très important. Il faut imaginer qu'aussi c'est l'époque de la fission nucléaire, de la physique quantique. Donc on est dans Einstein, on est dans un monde qui devient atome, donc qui évolue complètement différemment. Et donc pour continuer justement aussi autour aussi d'un artiste comme Mondrian, qui lui sera aussi marqué par l'ésotérisme, par toute une pensée donc qui est liée à la théosophie, donc à une relecture aussi marquée par les philosophies orientales, et une simplification du monde pictural par des lignes et des formes colorées. Et j'ai voulu ajouter à cette liste le peintre André Masson, qui est lui justement un des maîtres du surréalisme, qui va mettre en avant justement l'automatisme, et qui va être extrêmement important pour la génération des peintres américains des années 50, qui vont être en contact avec lui, et particulièrement Jackson Pollock. Et Masson va être un des grands pionniers vraiment de cet automatisme lié au surréalisme. Maintenant, voilà quelques images. Donc Kandinsky, donc cette fameuse première abstraction liée donc aussi bien à la nature, il y a toutes les lectures sont possibles, extrêmement lyriques. Les titres de Kandinsky sont aussi extrêmement liés justement à la musique. Là, on est dans l'improvisation. Toutes ces grandes œuvres vont avoir le titre de composition. C'est peut-être l'artiste qui va le plus marquer Joan Mitchell. Et dans tout au long de son œuvre, on voit quand même un lien évident avec la fluidité, le rapport extrêmement poétique et lyrique de Kandinsky, et particulièrement dans la première salle, où il y avait quelques œuvres comme ça, dans les roses, qui étaient beaucoup plus de forme imbriquée, beaucoup plus fluide, dans la première abstraction de Joan Mitchell quand elle est encore aux États-Unis. Donc Paul Klee, donc je vous montre quelques images, donc vous pouvez voir là peut-être un lien direct justement avec l'iconographie de Riopel, donc même si les liens sont faits de manière complètement hasardeuse, bon, c'est vrai que la mosaïque de Riopel renvoie au quadrillage et aux compositions géométriques de Paul Klee. Le radicalisme donc d'un Malevitch qui va être à la rupture totale de l'abstraction avec après son fameux carré blanc sur fond blanc. Il faut quand même savoir que les œuvres de Malevitch, je suis désolé Dominique, mais seront pas vues en Union soviétique parce qu'il va être très vite censuré à partir de 1934. Mais il a été acheté par contre aux États-Unis.
et le carré blanc sur fond blanc est à New York et donc va beaucoup inspirer aussi la génération des abstraits américains. Il sera redécouvert justement à l'époque de la perestroïka et ça va être un grand renouveau aussi de la relecture de l'œuvre de Malevitch dans les années 80 avec les grandes expositions qui avaient eu lieu à l'époque à Nantes. Donc Mondrian, là je vous ai mis une toile particulière de Mondrian qui est la dernière œuvre de Mondrian, donc le fameux Broadway Boogie Woogie, donc qui renvoie aussi bien à un titre de jazz, mais qui renvoie aussi à une vision de la ville de New York, donc cette vision d'une ville symétrique. Et puis j'ai aussi voulu jouer sur ces carrés, ces fameux petits mosaïques qu'on peut retrouver un petit peu dans l'œuvre de Riopelle. Donc, Delaunay, donc ça c'est un des grands chefs-d'œuvre de Delaunay conservé au Centre Pompidou. Donc le manège de cochon qui est en fait, donc le chef Delaunay, c'est l'intérêt aussi pour le monde forain, le monde donc des manèges, de la foire. Donc vous voyez des petits cochons qui volent un petit peu autour, qui sont en fait sur lesquels les gens vont pour aller à la foire. Et au premier rang, vous avez ce personnage au monocle, qui est donc un portrait de Tristan de Sarra. Donc le poète dadaïste qui va être un des grands acteurs des avant-gardes du XXe siècle, avec André Breton, Aragon, Éluard, et donc aussi la présence de la poésie extrêmement tôt aussi dans cette volonté d'une relecture de l'abstraction, parce qu'il faut imaginer aussi que c'est à l'époque où on casse le vers classique, justement avec les poètes surréalistes, ou avec, bien sûr, Apollinaire, qui donnera le nom d'orphisme à la peinture de Delaunay, qui sera à l'origine des grands mouvements comme le mot surréaliste et aussi des mouvements dans lesquels on avait beaucoup parlé à l'époque par rapport à Picasso, donc évidemment du cubisme, qui va être aussi un des mouvements fondamentaux dans une évolution vers l'abstraction, vers une relecture des formes et du réel de façon différente. Un petit mot sur Kubka. Donc Kubka, il y a eu une grande rétrospective récemment à Paris de Kubka, et Kubka est un peintre justement très important qui vient de Prague et qui passera quand même la majorité de sa vie à Paris, très proche des frères Duchamp, et qui est lui extrêmement influencé à l'origine par la danse et par la musique. Et donc ces fameuses grandes séries de tableaux Amorpha, qui sont vraiment aussi un des grands pionniers, un des grands mousquetaires de l'abstraction aux origines. Donc un Picabia tout à l'heure dont je vous parlais, donc cette fameuse Udni qui est inspirée d'une danseuse qu'il voit sur un transatlantique en direction de New York. Donc on voit une sorte de fusion entre des formes géométriques quasiment d'un bateau, on ne sait pas très bien ce qu'on peut y voir, en même temps la mise en avant d'un sentiment de mouvement mécanique. Magnelli, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était extrêmement lié à Kandinsky, on voit aussi donc en même temps là dans cette œuvre particulière de Magnelli très géométrique, un point commun aussi avec les théories du Bauhaus mis en avant par Kandinsky. Bon, il y a quand même un artiste qui est aussi à l'origine de toute cette abstraction et qui a extrêmement marqué Joan Mitchell, et j'y pense là en voyant ses formes géométriques, c'est bien sûr Cézanne, notre père à tous, qui dit que justement il faut simplifier le réel dans des formes géométriques simples, la sphère, le cube, le triangle. Donc toute cette lecture de Cézanne va être vraiment à l'origine même de toute cette évolution vers l'abstraction. Et un autre artiste qui a aussi extrêmement influencé Joan Mitchell et qui est aussi à l'origine de l'abstraction de Kandinsky, qui est Claude Monet, et dont Kandinsky disait que sa volonté de rentrer dans une nouvelle ère abstraite était liée à la vision des meules de Monet. Merci Dominique. Il n'y a pas de la bonne chose ? C'est quoi ce... On verra à la fin. C'est plutôt marrant. Donc oui,
Claude Monet et Cézanne, ils sont quand même justement dans leurs préoccupations, chez Cézanne, de simplification du réel par des formes géométriques, et deux, chez Monet, d'intérêt pour la lumière, à l'origine aussi de cette évolution de la peinture vers l'abstraction. Une petite feuille se reposant de Hans Arp, pour faire les liens comme on avait vu la dernière fois Henri Moore, puis cette poésie pure que représente Arp et qui va être très importante dans la fondation de différents mouvements de l'abstraction des années 30 et 50. Et enfin une œuvre d'André Masson, une œuvre assez importante parce que c'est elle qui cachait l'origine du monde de Courbet, qui était à l'époque chez Lacan. Et on voit donc cet automatisme, on voit cette ligne fluide et en même temps beaucoup de choses qu'on pourrait rapprocher aussi bien de Joan Mitchell finalement que de Riopel, ce côté un peu animalier comme on voyait donc tous ces fameux hiboux chez Riopel, et puis ce côté extrêmement fluide de la ligne qu'on pourrait imaginer chez Mitchell. Alors maintenant, là je vous laisse regarder comme ça, mais c'est face à ces pionniers de l'abstraction, je voulais vous montrer d'autres artistes extrêmement importants, mais qui vont être dans la continuité de ces artistes qu'on vient de voir, et surtout qui vont être finalement la fameuse école de Paris, cette abstraction française des années 50, et je vous montrerai un petit peu après l'abstraction justement américaine de l'époque. En trois mots, par exemple, donc, les trois premiers, donc Hans Hartung, Gérard Schneider et Pierre Soulages, qui sont donc les grands gestuels, Fautrier et Dubuffet, qui vont être à l'origine de l'informel, Nicolas de Staël, Poliakov et Lanskoï, qui sont les grands Russes, qui vont être dans la continuité de Kandinsky, les véritables élèves de Kandinsky. Il ne faut pas oublier que Kandinsky finit sa vie à Paris. Kandinsky a quand même une vie d'exil. Il est à Munich. Pendant la guerre 14, il doit retourner en Russie. De Russie, il va repartir vers le Bauhaus et Berlin et Munich et Dassau pour après repartir encore pendant la guerre à Paris. Bon, bien sûr, on peut aussi ne pas oublier que ces grands artistes de l'abstraction, et particulièrement Kandinsky, vont être victimes de la barbarie nazie et qu'on va qualifier leur œuvre et toute cette abstraction d'art dégénéré. Et ne pas oublier que Kandinsky, trois jours avant sa mort, encore à Paris, dans la dernière exposition, une bande de néo-nazis jette des pierres dans la galerie en traitant cette peinture de dégénéré. Donc c'est aussi une peinture extrêmement politique finalement par rapport à l'époque, qui est une peinture qui va être remise en question par justement l'ordre militaire nazi. Et encore aujourd'hui, il y a eu un grand rejet de l'abstraction d'un point de vue politique. Dans la continuité, un petit mot sur Roger Bissière, qui était donc lui, dans un des maîtres de l'abstraction française des années 50, extrêmement marqué par l'art du vitrail, marqué par l'art roman, marqué par une certaine spiritualité, et tous les différents artistes qui vont suivre avec lui et qui vont avoir une très, très importante dans les années 50, particulièrement Maurice Estelle. Talcoat, Kino, Atlan, Shoot et Shoot, qui sont un petit peu qui ne sont pas vraiment liés à des écoles particulières. Un mot particulièrement sur Pierre Talcoat, où je vous conseille d'aller donc aujourd'hui à Pont-Aven, où la rétrospective Talcoat vient de démarrer, mise en scène par Éric Borin, qui a démarré là et qui va durer 6 mois. Puis bon, Talcoat, fatalement aussi un des grands peintres abstraits liés à la région. Camille Brienne aussi, qui est d'origine bretonne, et Otto Wolz, qui sont donc eux plus liés à une continuité surréaliste. Michaud et Zaouki, qui sont dans une continuité plus marquée par l'Asie. Tapiès, Fontana, Bourri. Donc je vais vous montrer plutôt les tableaux, plutôt que vous voyez. Et puis, pour finir après, sur la galerie Jean Fournier, et justement arriver à Riopel et Joan Mitchell. Donc voilà quelques œuvres de Hans Hartung, donc vous voyez, extrêmement fluide. On voit quand même aussi un lien évident avec les quelques œuvres de Joan Mitchell. Alors là,
Artung, c'est le grand peintre gestuel. Il parlait aussi de son émotion et sa peur face à l'orage enfant et en même temps face à la guerre, face au bombardement de Dresde, des villes qu'il avait connues. Donc on voit aussi ce rapport aussi bien à la nature, mais donc à l'orage, à l'éclair. Et dans cette continuité de ces grands peintres abstraits des années 50, Gérard Schneider, donc marqué aussi par donc cette abstraction lyrique, et en même temps Pierre Soulages, qui lui aussi dans une problématique marquée aussi par un jeu sur l'équilibre. Toute cette problématique de l'abstraction est aussi liée justement à des mots liés à la musique, la rythmique, la composition, l'équilibre. Jean Fautrier, l'inventeur de l'informel, Jean Fautrier, le grand peintre des otages, qui va justement dès les années 43-44 complètement changer de style et de palette pour mettre en avant justement une peinture du corps en relief et qui va peindre les massacres perpétrés à Oradour et dans différents lieux. Et dès les années 40-45, va exposer la fameuse série des otages. Alors là, on voit aussi fatalement un lien évident avec la peinture de Riopelle, dans cette volonté de matière d'une peinture en relief et d'une peinture extrêmement corporelle, une peinture liée à la peau, à quelque chose. Pour citer Quinault, qui disait, oui, la peinture, d'une manière ou d'une autre, on doit y laisser sa peau. Et que ça soit chez Fautrier ou chez Riopelle, on a cette sensation de relief. Alors, dans cette continuité informelle, un petit mot sur Jean Dubuffet, qui est à l'origine de lui, de tout le mouvement de l'art brut, et donc d'une relecture des valeurs de l'art, en donnant tout d'un coup un intérêt aussi bien aux malades mentaux qu'aux handicapés, qu'aux primitifs de nos sociétés, et qui aussi travaille justement aussi sur la matière. Maintenant, des peintres qui vont être peut-être beaucoup plus en relation avec l'exposition qu'on a vue, particulièrement Nicolas de Staël, dans cette toile-là que vous avez, qui s'appelle Les Toits, donc Les Toits de Paris, où on voit justement un lien évident, aussi bien avec l'œuvre de Riopelle, et à côté, justement, cette grande musicalité, donc des fameux joueurs de jazz, le concert de Sidney Bechet, donc vous voyez le clarinettiste, le pianiste sur ça, et on peut imaginer la musique de l'époque qu'écoutait aussi bien Riopelle que Joan Mitchell. Et donc Nicolas de Staël, comme Poliakov et comme Lanskoï, sont des grands peintres musicaux très liés justement à la peinture de Kandinsky. Je vais un peu plus vite parce que sinon on va y aller jusque demain. Donc dans la continuité, je vous parlais donc des peintres abstraits français de l'époque, donc Roger Bissière, Alfred Manessier, donc on voit là une peinture plus liée justement à l'art roman, à l'art du vitrail, donc je vous disais tout à l'heure, mais en même temps, ce qui est important, c'est de voir aussi dans cette abstraction, une abstraction qui est liée à une émotion qu'on a en voyant la nature, ou une abstraction qui est liée à une pensée intérieure, une pensée plus mystique, je dirais, plus spirituelle. Et on peut voir souvent ces différentes sources de l'abstraction entre le monde extérieur ou le monde intérieur. Donc là, on est aux limites des deux. Donc, il y a cet aquarium complètement imaginaire, où on voit les poissons passer d'un monde à l'autre. On ne sait jamais vraiment de quel point de vue on est. Est-ce qu'on voit l'étoile de haut? Est-ce qu'on les voit de face? Où se place la réalité? Et ça nous permet d'avoir une lecture beaucoup plus complexe et vaste. La Terre est ronde, tout d'un coup, mais véritablement ronde, même si nous avons quelques platistes... Donc ici, par exemple, le buisson ardent de Jean Lemoyne, donc on voit aussi le lien avec la spiritualité, avec le côté sacré, la vision, cette petite sensation, ou à contraire, Bazaine, qui lui s'intéresse justement à une émotion face à la marée basse, face à un,
au sentiment de devant la nature. Alors Talcoat, ici un rocher de Talcoat, je ne sais pas s'il est exposé à... Non. Mais donc lui justement, qui va être une rupture totale dans sa... Si vous allez voir l'exposition, c'est très important de voir justement comment il est dans une période extrêmement figurative dans les années 20, dans les années 30, et qu'il y a vraiment une rupture à partir de la Seconde Guerre mondiale, où tout d'un coup, il s'intéresse essentiellement aux sensations devant la nature, à la fusion de personnages, de silhouettes à l'intérieur de rochers. Et on pense aussi fatalement au monde asiatique, à la peinture chinoise. La peinture chinoise s'intéresse dans une répétition souvent incessante, obsessionnelle, de rochers qui se transforment en dragons, qui se transforment en personnages. Et on a cette sensation dans les premières œuvres abstraites de Talcoat, qui va après évoluer vers une radicalité encore plus forte, et qui va être justement une peinture de la nature et des animaux, des traces laissées par les animaux sur le sable, le vol d'oiseaux à l'horizon et leur ombre sur la plage qui est simplement fixée. Donc il y a un rapport aux traces et à la disparition des traces. Comment fixer des traces? Comment fixer justement le rapport aussi bien aux animaux qu'un rapport minéral? Jean-Michel Atlan, qui est un artiste d'origine tunisienne, qui va lui s'intéresser beaucoup aux rites premiers, aux danses, aux signes premiers, et qui va réinventer ce fameux dessin dragon qui fait penser un peu à des vitraux aussi, et qui sera très très lié avec Kino. Donc Kino, là je vous ai mis deux toiles qui sont la fameuse série des galets éclatés d'Antibes. Et ce qui est intéressant aussi chez Kino, lui, c'est le rapport sériel, c'est-à-dire la répétition de la même forme et la volonté donc de renvoyer aussi justement aussi bien au côté minéral, les fameux galets, et toute la diversité que peut proposer la sphère, la forme, et la volonté de percer la toile aussi. Chose qu'on va avoir aussi dans la l'abstraction de Riopel. Quand on voit ces grandes zébrures blanches, on va voir tout à l'heure une toile de Fontana, on a l'impression que justement il traverse aussi le tableau. Et en même temps, ce qui est intéressant dans l'abstraction d'un Kino, c'est qu'elle n'empêche pas derrière ça le message aussi politique. Et donc aussi donc ce graffiti qu'on a aussi très marqué dans l'abstraction. Alors un graffiti lisible ou illisible, et là c'est les fameuses toiles de Kino à l'époque où il se bat contre Le Pen en 1961 dans le 5e, et la fameuse série des toiles OS assassins qui sont vécues comme les premiers graffitis dans l'histoire de la peinture, et surtout graffiti politique. Et l'intérêt aussi, c'est que tout d'un coup, dans cette abstraction, c'est que la marque qui est laissée dans la rue, alors là, particulièrement un graffiti, mais ça peut être autre chose, tout d'un coup, en la mettant sur le tableau, c'est une volonté aussi de ramener l'extérieur à l'intérieur. Donc le tableau prend une autre dimension. Un artiste très important, Camille Brienne, qui était extrêmement lié avec les surréalistes, dont beaucoup d'œuvres sont présentes à Nantes, et on voit vraiment là justement aussi un lien avec la peinture de Riopel, donc toujours cette petite mosaïque, cette petite sensation, cette petite note de couleur, cette petite touche comme les musiques d'un piano, et qui va être extrêmement aussi important. Brienne est un artiste qu'on devrait beaucoup plus relire aujourd'hui, parce qu'il était aussi poète, il a fait beaucoup de collages, il a influencé beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'artistes, et puis c'est une des figures importantes du surréalisme breton. Et un de ses camarades, mais lui qui venait d'Allemagne et qui est mort très jeune, donc Otto Wolz, aussi marqué justement par une abstraction, mais alors là beaucoup plus, on va dire, liée au corps, à la sexualité, à un monde biomorphique, donc voilà un petit dessin érotique de Wolz, et une simple tâche, avec par exemple cette problématique de l'époque qui est-ce que la peinture ne peut être qu'une tâche? C'est des questions de Nicolas de Staël. Et donc une tâche, là je vous ai mis donc une sorte de grande vague, de grande bataille de Henri Michaux. Donc Henri Michaux, le grand poète d'origine belge, poète de la mescaline, poète de la drogue, poète des lointains intérieurs. Et donc fatalement, cette tâche, cette sorte de calligraphie illisible,
mais qui renvoie à notre impossibilité à nous de lire même la calligraphie, qu'elle soit chinoise ou japonaise. Donc cette problématique de l'incompréhension et de donner action à un nouveau monde. Et ici vous avez donc cette grande vague, cette grande bataille de Michaud, et qui est un hommage à Asbjørn Njord, dont on va parler dans 5 minutes, qui est un des maîtres du mouvement Cobra. Dans cette continuité de Michaud, j'ai voulu mettre une œuvre d'amis de Michaud, et de, qui sont donc Zaouki et Shu Teshun, deux artistes d'origine chinoise qui vont faire leur carrière à Paris. D'un côté Zaouki, qui est encore, vous voyez justement ses calligraphies un peu, mais ses calligraphies illisibles, et ce monde extrêmement minéral, on a l'impression de voir une sorte de cascade. Et de l'autre côté, Shu Teshun, qu'on pourrait rapprocher plus là quelque part des premiers soulages, donc d'un monde du signe, mais de signes illisibles, et qui sont là pour nous dire autre chose. Cobra, donc voilà une œuvre de Njord, auquel rendait hommage tout à l'heure Michaud. Donc le groupe Cobra, qui est donc Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, donc c'est le courant abstrait du Nord, marqué justement, lui, par un retour au primitivisme, un retour au dessin d'enfant, au retour à la violence et surtout à la rapidité d'exécution. Ce qui compte dans Cobra, c'est la rapidité d'exécution du tableau. Pas de problème, pas une problématique. Et on pense fatalement, là, justement, aussi, à Joan Mitchell, à une sorte de laisser aller sur l'œuvre, sur la toile même. Et alors, Cobra, donc, c'était une association d'artistes. Donc, il y avait Njord, Karel Appel, là, vous voyez exactement le lien avec ces grands dessins d'enfants, qui peuvent renvoyer, là, justement, à plus à l'œuvre de Riopel, dans sa volonté de retour aux origines, de retour aux sources, alors vous voyez donc qui était lié à son intérêt pour le monde des Inuits, le monde du Grand Nord, et qui va aussi beaucoup influencer les artistes de Cobra autour des racines, par exemple d'un artiste comme Lindström, qui lui va s'intéresser au monde lapon, au monde de l'Islande, au monde un peu magique, et qui va être mis en avant sur le côté extrêmement primitif de la toile. Alechinsky, donc, qui faisait aussi partie de cette génération d'artistes de Cobra. Là, vous voyez aussi un lien, je pense, avec le dernier Riopel, avec ses différents jeux entre le noir et la couleur, la réapparition du dessin, du cerné. Alors, un mot sur Anthony Tapies, qui, lui, est le grand peintre antifranquiste des années 50, qui refuse toute figuration et qui va symboliser l'occupation de l'Espagne sous la dictature par simple croix rouge, par simple zébrure, par simple ligne, et qui montre l'évolution, enfin, dans l'abstraction, la possibilité d'avoir aussi derrière une lecture politique et surtout une dénonciation de l'impossibilité de représenter quoi que ce soit sous la dictature. Et deux autres artistes, eux, qui sont liés au monde de l'Italie, Lucio Fontana, donc qui, avec les fameux concepts spatials, qui sur un simple monochrome balance trois coups de cutter et qui nous donne l'impression justement d'un monde de trous noirs, d'un monde de grande sexualité, une grande géométrie, et qui va vraiment révolutionner l'art dans le sens où tout d'un coup l'œuvre devient balafrée, devient griffé, et quand on voit les œuvres aussi bien de Riopel ou de Pollock, même si esthétiquement les mondes ont l'air complètement différents, on peut voir ces liens de sorte de coups d'étoiles filantes qui percent le tableau. Et son collègue Alberto Burri, qui lui est un artiste beaucoup plus lié à la matière, donc un matiériste, qui sera lui à l'origine, il a fait des études de chirurgie, il était médecin, et tout d'un coup on a l'impression qu'il va rapiécer les tableaux. C'est-à-dire, la question aussi de l'époque, c'est qu'on est donc dans les années 50, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, donc il faut se souvenir aussi des mots d'Adorno qui nous disent que justement on ne peut plus rien peindre, on ne peut plus écrire un poème, on ne peut plus écouter de la musique après les horreurs des camps de concentration et d'Hiroshima et Nagasaki. Il y a aussi la phrase de Sartre, je crois que vous avez cité la dernière fois, qui dit que
Si on peint ce qu'on a vu, on trahit le beau, mais si on ne le peint pas, on trahit l'histoire. Donc il y a toute cette problématique de cette génération des années 50 qui fait qu'est-ce qu'on peut peindre, qu'est-ce qu'on peut comment représenter le réel avec les horreurs qu'on vient de vivre. La problématique, par exemple, se retrouve surtout dans l'œuvre de Fautrier, qui justement va réussir à témoigner de l'horreur des camps tout en créant quelque chose de nouveau. Donc cette problématique-là, elle va évoluer avec, par exemple, justement, ces peintres qu'on a vus aujourd'hui, dans le sens où l'intérêt que va porter cette génération d'artistes, marquée par, donc là, je vous ai mis Jean Fournier dans sa galerie à côté d'un tableau de Saint-Francis, ça va être un intérêt pour la peinture elle-même. C'est-à-dire la peinture en tant que médium, la peinture en tant que surface, la peinture en tant que support. Et Jean Fournier va être justement un des grands défendeurs d'un mouvement très important qui va naître en France dans les années 60-70, qui va s'appeler support-surface. Qui va être que la peinture, justement, c'est une surface et un support, et que tout d'un coup, l'intérêt va être extrêmement marqué par un artiste dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui est Henri Matisse. Dans le sens où finalement, Henri Matisse se dégage de la politique, se dégage de l'implication, en disant que la peinture doit être comme un bon fauteuil ou comme un bon feu où se réchauffer et passer un bon moment et apporter une pure méditation. Et donc tout d'un coup, il y a des artistes qui vont s'impliquer dans la continuité de Matisse autour de l'intérêt pour la couleur pure et pour de simples, justement, sensations, feeling, pour reprendre le mot de tout à l'heure. Et justement, donc là, je vous ai mis une petite citation de Jean Fournier, donc dans l'intérêt des artistes qui va défendre dans sa galerie. Donc on n'est plus justement dans l'esprit de la ressemblance, et on est dans la logique de la surprise éclairante. Donc on est dans une lecture un petit peu religieuse, un peu mystique, qu'il ne faut pas non plus négliger dans l'approche des différents artistes qui seront chez Fournier. Alors par exemple, comme artiste français Georges Mathieu, qui sera lui extrêmement marqué par la calligraphie japonaise et chinoise. Jean de Gotteg, dont vous avez peut-être vu les œuvres aussi quand il y avait eu l'exposition Hartung, donc il est lui extrêmement marqué par le zen, par le Japon, et par une certaine poésie pure. Alors, vous voyez quand même, les artistes qu'on voit là de la Galerie Fournier, ils sont en relation directe avec ceux qu'on a vus ce matin, que Joan Mitchell et Riopel, partie de cette même équipe d'artistes. Judith Riegel, qui est elle, hongroise, qui travaille justement elle sur aussi la rapidité d'exécution, le geste. Et un artiste très important dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, Simon Antal, qui vient à l'origine d'un monde surréaliste, très biomorphique, très étrange, et qui va, avec cette grande fameuse série des Mariales dès les années 60, travailler sur la pliure. Donc c'est des toiles qui sont pliées en boule et qui sont peintes, et puis qui sont après redépliées. Donc il peint complètement à l'aveugle, et là on est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la technique du all-over, c'est-à-dire que toute l'œuvre est remplie, et c'est une sorte d'abstraction pure. Alors il a appelé ça le manteau de la Vierge, parce que c'est lié à toute une lecture aussi extrêmement symbolique. Un des artistes les plus importants de la Galerie Fournier, et qui est très 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 lié avec Joan Mitchell et Riopel, c'est le peintre Sam Francis, d'origine californienne. Et Sam Francis, lui, va être extrêmement influencé justement par la peinture japonaise et par une peinture du Pacifique. Il y a des grandes formes comme ça, qui volent pures. Et là on est vraiment en parfait écho avec la peinture de Joan Mitchell. Et qui va être... Sam Francis va beaucoup, beaucoup influencer Joan Mitchell. Et c'est des très, très grands formats aussi. Un des peintres français, donc, qui est justement à l'origine de support surface, Claude Viala, qui répète de manière obsessionnelle cette forme, et qui les répète sur différentes zones colorées, et qui joue justement dans une continuité matissienne, une grande peinture décorative. Shirley Jaffe, qui est aussi une des grandes peintres américaines qui fera partie de la Galerie Fournier. Et enfin, donc, on arrive à nos deux personnages, donc de Joan Mitchell et de Riopel. Tout à l'heure, je vous ai parlé justement de cette confrontation entre les deux peintres. Est-ce qu'elle a du sens ou est-ce qu'elle n'en a pas? On se posait la question tout à l'heure avec Laurence dans l'exposition.
Parce que finalement, une rétrospective Joan Mitchell ou une rétrospective Riopelle aurait peut-être suffi. Mais c'est cette volonté aujourd'hui de peut-être de remettre en avant justement l'œuvre de Riopelle, comme je disais tout à l'heure. Alors si, ce qui est c'est étonnant, c'est que dans l'histoire de l'art, finalement, la star dans les années 50-60, c'était lui. Et qu'aujourd'hui, c'est elle qui réapparaît en avant. Et quand on voit deux œuvres comme ça, on voit que d'un côté, il y avait cette confrontation d'ailleurs dans la première salle. On voit un monde extrêmement, justement, moi je vois vraiment ces sentiments du mur d'un côté chez Riopelle, avec souvent cette prédominance du rouge, et au contraire, du vide, du côté extrêmement aquatique chez Joan Mitchell, et cette présence souvent du blanc autour du tableau. Donc voilà un petit peu, on va passer juste après en revue quelques œuvres qu'on a vues tout à l'heure. Deux photos de Riopelle, vous voyez l'évolution du personnage, qui va devenir véritablement une sorte de Moïse canadien, une sorte de personnage du Grand Nord à la fin de sa vie, et ce regard extrêmement intense de l'artiste. Des œuvres, là juste pour vous mettre au début de l'œuvre de Riopelle, vous montrer que justement c'est pas que du gribouillage. Donc c'était des artistes qui étaient aussi marqués à l'origine par l'art de leur époque. Donc là, bon, il fait un petit Mounty dans la montagne, ou alors un paysage sous la neige, et c'est très marqué justement par l'art des années 30 américaines, et particulièrement la peinture de Edward Hopper et aussi la peinture de Thomas Arne Benton. Thomas Arne Benton, justement, dans ce côté retour aux sources américaines, il faut savoir que Thomas Arne Benton, c'est aussi le maître de Jackson Pollock. Et qu'à l'origine, Jackson Pollock va être extrêmement marqué justement par la culture américaine de base, et particulièrement, pas par David Crockett comme sur ce tableau-là, mais même s'il y aura une période à l'époque où ils vont être muralistes, c'est-à-dire c'est la grande époque aussi des grandes fresques du New Deal, donc de l'époque Roosevelt aux États-Unis. Et Pollock, lui, va être extrêmement influencé par les Amérindiens, par un séjour en Californie, et au Nouveau-Mexique, où il va beaucoup s'intéresser aux cultures donc des Amérindiens. Et chez chez les premières œuvres de Riopelle, cette présence dès le début de sa peinture, donc dans les années 30, du fameux hibou qu'on va retrouver tout au long de l'exposition. Alors aussi quelques paysages locaux où on voit une certaine influence aussi du premier Kandinsky, on peut penser à la période du Cavalier Bleu. Et puis le lien avec Paul-Émile Borduas, qui va être son maître à l'école d'art, et avec qui tout d'un coup ils vont remettre en question justement toute la peinture avec ce mouvement des automatistes et cet intérêt pour l'abstraction lyrique. Et donc ces premiers tableaux qu'on voit dans l'exposition Hochelaga. Donc pour ceux qui vont être à Montréal, Hochelaga, c'est une station de métro à Montréal, mais outre cette station de métro, c'est le premier lieu iroquois. C'est donc un intérêt pour la culture amérindienne. Il faut imaginer que c'est extrêmement politique à l'époque. Aujourd'hui, je n'emploie pas le mot d'esquimau pour le mot d'inuit, pour être tendance, on va dire, qu'on est justement une période aujourd'hui où on redécouvre cette culture-là, mais c'était une culture extrêmement opprimée, enfin qui est toujours d'ailleurs opprimée. Leur combat est permanent pour défendre le Groenland ou pour défendre l'Alaska. Enfin, ils ont le même sort que les Amérindiens aux États-Unis. Donc c'est très important dans la culture canadienne et particulièrement, je dirais même, québécoise, de cette peinture de Riopelle qui va s'intéresser aux origines même de la civilisation. Et Hochelaga, c'est le lieu où Jacques Cartier débarque et rencontre les Iroquois, donc à Montréal, et qui vont donner le nom de Montréal. Donc là, une toile où justement on voit cette ville, mais une sorte de ville chaotique. Et donc c'est intéressant de voir finalement, quand il y a des titres à l'œuvre de Riopelle, de voir de ce dont il parle. Et donc c'est cette ville en pleine mutation qui est en train d'apparaître dans les années 50.
et en même temps, dès le début, toujours cet intérêt pour la nature, pour les arbres, pour la, des sensations extrêmement fortes liées à la nature, et puis ce côté extrêmement animalier qu'on a dans sa peinture, extrêmement physique, qu'il aura toujours face au tableau. Donc la moisson, et on voit déjà, vous voyez, ces fameuses zébrures qui apparaissent, et qui renvoient bien sûr au dripping de Pollock, mais en même temps à tout un intérêt justement pour transpercer le tableau, lui donner une sorte de grand coup de balafre. Promenade, donc, vous voyez toutes ces grandes toiles qui sont conservées à Montréal. Route d'Espagne, donc là je vais pas, on en a assez vu tout à l'heure, donc je vous mets simplement une sélection que j'avais faite en fonction des, souvent par rapport à des lieux de conservation. Par exemple, bon, c'est des grandes toiles, celle-là, donc Rob of Stars, donc la sorte de grande constellation qui est conservée donc au musée Ludwig de Cologne, qui est un des grands musées d'art contemporain. Cette toile qu'on a vue en arrivant dans l'exposition, qui est conservée à la Fondation Gandour, qui est une des grandes fondations d'art européennes. Ou encore ici, donc on peut penser aussi aux aurores boréales, par exemple. Il faut imaginer des sensations extrêmement fortes liées à la nature. Donc là, des toiles, comme ces grandes météorites là, qui passent, ces grandes étoiles filantes qui sont conservées au Guggenheim de New York. Celle-là, donc, que j'ai mis spécialement pour Laurence, conservée au musée de Rennes. Donc, je vous invite à aller la voir. Et on voit là, justement, un Riopelle très rouge, qui est pour moi la couleur de Riopelle. Une autre œuvre de Guggenheim. Alors, ce jeu, en même temps, de truelle, de couteau, de mouvement, comme si la peinture devenait de la pâte à modeler. Et c'est des effets tout à fait étonnants qu'on va récupérer, justement, dans les boules magiques, par exemple, si ça devient quelque chose de tout à fait... Ou aussi, on peut penser au monde psychédélique des années 60, tous ces effets qui vont devenir, justement, des effets visuels. Ici, donc, vous avez un blizzard de nuit de Saint-Sylvestre, un blizzard glacé, conservé au MoMA New York, donc toujours des formats aussi très impressionnants, une toile de la Fondation Mag. On passe un peu, donc je vous disais qu'il y avait beaucoup d'œuvres aussi de Riopelle dans les musées de province, donc on parlait du musée de Rennes, ici au musée de Toulouse, il y en a une autre très belle au Palais des Beaux-Arts de Lille, donc il est présent dans aux quatre coins de l'Hexagone. Saint-Antoine, alors là, c'est l'étoile très importante, justement, qui sont liées à un intérêt, donc, où la palette change et le blanc prend le dessus. Ça, c'est toute une série qu'il a commencé en retour d'Autriche, et devant les grands paysages glacés d'Autriche, et qui vont après donner lieu à la série sur les icebergs qu'on a vu à la fin. Là, une étoile très très importante, Pavane, malheureusement qui n'a pas été exposé, parce qu'on parle beaucoup donc de Joan Mitchell et de son rapport au nymphéa de Monet, mais dès les années 50, c'était un intérêt que portait aussi de Riopelle par rapport à ce nouvel impressionnisme. Et c'est une toile d'autant plus importante qu'elle a été exposée en 1962, quand il fait la Biennale de Venise. Je ne sais plus si c'est 62, je vérifierai, mais il va être le représentant du Canada à la Biennale de Venise, et c'est une des grandes toiles qui va marquer l'époque. Je pense que je vous dis 62, et c'est à l'époque où justement Hartung et Fautrier reçoivent le premier prix de la Biennale de Venise. Et donc c'est dans cette continuité de l'abstraction, un renouveau. Il faut imaginer que c'est un souffle nouveau de l'abstraction, Riopelle, pour l'époque. Donc, encore des très beaux, très belles œuvres. Là, on voit l'influence plus de Joan Mitchell, quelque part, avec justement cette utilisation du blanc et cette forme centrale qui palpite comme ça, comme dans l'œuvre de Mitchell. Une autre œuvre importante qui conservait à la Tate Gallery de Londres. Et ici, il y avait tout à l'heure dans l'exposition, dans la deuxième salle, il y avait une série de petites gouaches et qui sont en fait aussi de l'intérêt qu'il va avoir dès le début pour les masques esquimaux, la culture de l'Alaska, et on voit donc apparaître comme ça des formes un peu aléatoires qui renvoient à des masques primaires. Les grands triptyques, qui sont des œuvres qui avaient été exposées dans les premières expositions de Montréal et de Toronto dans l'exposition Mitchell-Riopelle, mais qui n'ont malheureusement pas pu venir parce que le format beaucoup trop imposant, enfin même
Et donc ici encore, la série qui est liée sur les souvenirs de Monet, qui sont liés à des étangs. Donc on pense bien sûr déjà encore aux nymphéas de Monet, mais une peinture beaucoup plus glacée. Et alors intéressant, c'est que vous voyez déjà ces formes qui apparaissent et qui vont revenir chez lui autour de masques, donc de sortes de masques primitifs, de sortes de totems, comme les grands totems qu'on voit en Alaska, par exemple, des masques esquimaux. Donc l'étang, toujours la même série que par rapport à tout à l'heure. Vous voyez aussi ces jeux de reflets, on voit se dessiner une sorte de ligne d'horizon au milieu du tableau, et un jeu de formes qui se répéterait à l'intérieur du tableau. Donc derrière cette abstraction, en même temps, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On est là justement, toujours dans cette continuité de sensations, d'émotions, de feeling. Bon, là, la toile, tout à l'heure, on l'a vu, ce fameux hommage à Gray Hall, qui était présent dans l'exposition. Pardon ? Alors, Michi Kanabi Kong, ça, c'est une toile aussi très importante, parce qu'elle renvoie par le titre même à la culture, justement, algonquin, la culture iroquois, et qui veut dire, en fait, « mur de pierre ». Qui veut dire, ça serait un peu le cairn local, et donc les premières structures humaines au Canada. Donc il y a l'intérêt aussi dans son œuvre, vous voyez dans l'exposition, de l'emploi de termes liés aux origines même du pays. Alors tout à l'heure, justement, la guide nous a parlé des fameux jeux de ficelles, dont on a vu plusieurs toiles, donc là, on avait une ici. Et après cette évolution qu'on va avoir pour arriver donc à la fameuse toile de la fin, sur la grande série des icebergs, donc les toiles extrêmement glacées, et qui renvoient aussi chez Riopelle à un mouvement de retour vers le Canada dès les années 70, où il recrée un atelier au Canada, et qui va tout à coup beaucoup plus s'intéresser à la peinture, enfin du moins à la culture du Grand Nord. Et je voulais vous mettre quelques pièces là qui renvoient justement à cette culture-là, l'élan. Donc ils vont être dans les dernières gravures dans les années 70, où Riopelle va revenir à la figuration, donc des animaux extrêmement symboliques par rapport à la culture du pays, et ou sinon justement un jeu sur les feuilles qui sont les lides à Émile Néligan. Émile Néligan est un des grands poètes symbolistes canadiens pendant les années 50, et Riopelle va faire toute une série de belles feuilles en hommage à Néligan. Et enfin, pour finir, donc ces fameuses hommages à Rosa Luxembourg, l'activiste polonaise. Elle n'était pas polonaise. Elle n'était pas. Si, elle était d'origine polonaise. Oui, c'est l'origine. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est aussi. Outre que donc, c'est le fameux hommage à Joan Mitchell quand il apprend sa mort, et donc c'était une immense fresque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on voit chez lui qu'il renouvelle complètement son style. La guide parlait d'une sorte de rapport entre les deux, mais bon, en fait, quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise l'aérosol, qu'il va utiliser les pochoirs, et que donc on va avoir tout un monde animalier qui va se mettre en avant autour de colombes, autour d'oies, et en même temps ces sortes de grandes constellations. Et c'est un renouveau complet dans l'œuvre de Riopelle, et qui va être aussi justement présente dans toute la série que je vous ai montrée tout à l'heure sur les lithographies, et qui va être justement un intérêt aussi pour une nouvelle figuration et une peinture extrêmement moderne. Moi, j'ai été touché tout à l'heure par les grandes toiles sur les icebergs, ou les jeux de ça m'a fait penser à des peintres comme Kissaring qu'on avait vu avec la figuration libre. Et chez Kissaring, il y a cette même volonté de revenir aux origines, à des sources. Et Riopelle, on voit qu'il a beaucoup, beaucoup influencé toute une nouvelle génération d'artistes des années 80. Je pense à Kissaring, et puis on devant un autre objet, enfin une autre grande toile
à des peintres comme Jean-Pierre Pincemain, qui était un des grands peintres français, qui était un des derniers d'ailleurs de l'équipe de chez Jean Fournier. Alors, on va peut-être passer un peu vite sur Joan Mitchell. Vous tenez encore le coup, là, ça va? Bah oui, hein. Oui, dans sens. Mais si vous voulez, comme après le repas, sinon. Non, mais c'est que comme si vous voulez justement, et c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans l'exposition. Tout le monde était sous le charme de la beauté et de la fluidité des œuvres de Joan Mitchell, de cette nouvel impressionnisme, et que tout d'un coup Rio Pelle aurait été un peu le parent pauvre de la et que le sujet c'est de réévaluer finalement un peu l'œuvre de Rio Pelle. Bon, alors Joan Mitchell, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est d'un milieu donc tout à fait différent de celui de Rio Pelle. Elle vient donc d'une famille très particulière, très intellectuelle, ayant de l'argent, avec un père médecin et surtout un grand-père qui était un très grand constructeur. Et quand on voit les constructions de Chicago, c'est très très important. Et elle avait surtout une mère extraordinaire qui a été poète et qui publiait des artistes comme Ezra Pound, comme T.S. Eliot. Elle a connu un grand poète comme Dylan Thomas. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est mise à boire, d'ailleurs. Mais en tout cas, elle était donc extrêmement liée à un monde cultivé et culturel de très très haute volée dès sa plus tendre enfance. Et elle va se destiner à l'art très très tôt. Elle va être extrêmement influencée par ses visites au musée de Chicago, qui est un musée extraordinaire construit par un élève du Bauhaus. Bon, j'ai oublié le nom, je ne sais plus, c'est pas Molinage qui l'a fait. Enfin, c'est un musée très important dans le New Bauhaus, quand le Bauhaus a émigré aux États-Unis. Et la collection du musée de Chicago est très importante, et elle va découvrir justement là très vite Monet et très vite surtout Van Gogh. Un des points communs qu'ils ont tous les deux entre Rio Pelle et Joan Mitchell, c'est leur amour pour Van Gogh. Et en même temps, elle va découvrir un artiste très important qui est Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka est un artiste donc autrichien, un des grands expressionnistes des années 30. Et elle va être très très frappée par la peinture de Kokoschka au début. Et après, donc, on va la voir ici donc, un peu en débutante pour une soirée de gala. Vous voyez derrière elle une de ses premières toiles figuratives, une sorte d'annonciation. Je n'ai pas l'impression, je n'arrive pas trop à voir, deux baigneuses. On a l'impression d'avoir un personnage derrière dans le milieu des arbres. Et ici, vous la voyez en train de faire du patin à glace. Parce que c'est une grande sportive. Et c'est assez, ça pourrait paraître anecdotique, mais quand on voit sa peinture, c'est une peinture extrêmement sportive, une peinture extrêmement gestuelle. On ne se rend pas compte, mais les formats sont immenses. Et que c'était une petite dame, osseuse, sportive, mais il fallait quand même remplir l'œuvre et tenir toute cette tension à l'intérieur du tableau. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement physique aussi dans la peinture de Joan Mitchell, peut-être moins évident au premier abord par rapport à la peinture de Rio Pelle, mais quand même d'extrêmement important. Et là on la voit plus, elle est à Vettel, là, on est plus dans les années 70, vous la voyez à droite. Et puis à gauche, je vous ai mis cette fameuse affiche là de 1951, où vous pouvez voir à l'intérieur de tous les noms cités, tous les grands artistes de l'expressionnisme abstrait américain. Donc le nom de Wilhelm de Kooning, le nom de Hélène de Kooning, qui est la femme de Wilhelm de Kooning, parce qu'on va parler un peu des couples autres que Joan Mitchell et Rio Pelle, Hélène Frankenthaler, Hans Hoffmann, Jackson Pollock, vous voyez, Pollock d'ailleurs, il doit y avoir aussi sa femme quelque part, Motherwell, on dirait qu'il y a un temps du Canada d'un coup, hein, on souffle. Enfin, ce qui est intéressant à voir, c'est que dès les années 50, et c'est très important parce que justement, aux États-Unis, cette génération de femmes, dans un monde d'hommes extrêmement macho, parce que les Jackson Pollock ou les Wilhelm de Kooning, c'était quand même pas les enfants de cœur, elles ont réussi à s'imposer.
et à s'imposer. Bon, là, on va passer parce que les mots, les titres, on les a vus. Donc, elles vont s'imposer avec des artistes face à eux comme Franz Klein, Willem de Kooning, Archil Gorky, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est pour moi le plus grand des expressionnistes abstraits américains d'origine arménienne, et qui va être vraiment à renouveler la peinture surréaliste et qui va donner accès à un monde tout à fait étonnant. Et vous voyez là ces fameuses dégoulinures qu'on voit dans l'œuvre de Joan Mitchell, extrêmement présente. Et cette toile-là, quasiment, est une copie conforme d'un des premiers tableaux qui était sur la gauche. Et on est resté longtemps devant Robert le Diabolique. Si vous regardez là à gauche, il y avait une des premières œuvres de Joan Mitchell où on a vraiment la sensation d'être... Alors que là, en même temps, Gorky, mort extrêmement jeune, s'est suicidé. Mais on a à la fin de Gorky des trouvailles extraordinaires de fluidité, pour moi, des plus grands peintres du siècle. Bon, Jackson Pollock, donc là, sur une toile comme ça, on voit véritablement les liens évidents avec... la peinture de Riopelle, cette technique du fameux all-over, cette danse rituelle quasiment cosmique qui renvoie justement au rite premier. Alors on a vu le tableau de Masson tout à l'heure qui s'appelle La Terre, donc il travaillait Masson avec du sable, et là on peut imaginer que justement il dessine aussi sur du sable une sorte de peinture un peu chamanique, comme si c'était des signes sacrés. Un artiste très important aussi qui est Philippe Guston, d'origine canadienne justement, qui fera partie de l'école américaine et qui va être beaucoup beaucoup influencé aussi Joan Mitchell au début, dans les premières œuvres de Joan Mitchell, et qui sont aussi des visions de la ville comme un nouveau corps, comme une sorte de nouvelle plaie, et en même temps comme une sorte de la chaleur même de la ville qui émane du tableau. J'ai voulu vous mettre donc quelques autres couples que Riopelle Mitchell, et là particulièrement Lee Krasner, qui était donc la femme de Jackson Pollock, dont on redécouvre aussi l'œuvre. Il y a tout actuellement toute une relecture de l'histoire de l'art justement autour du genre, justement une relecture un peu moins macho de la peinture, et une sorte de l'histoire de l'art au féminin, qui avait été par exemple marquée par la grande exposition du Centre Pompidou qui s'appelait Elle, et qui faisait un accrochage au féminin du centre pendant quelques années. Donc Lee Krasner, on voyait aussi le lien avec justement le côté géométrique, mais en même temps petit symbole, et une peinture aussi très marquée par cet expressionnisme abstrait, de fleurs, ça c'est les saisons. Donc très grand artiste. Hélène de Kooning, qui est donc la femme de Willem de Kooning, qui a une peinture qui va être entre justement abstraction et figuration, mais qui va être aussi une grande historienne de l'art et qui va être aussi une grande critique d'art, et qui va justement parler d'impressionnisme abstrait à propos de Joan Mitchell, parce qu'il y a quelque chose de très important dans cette peinture. Alors un autre couple, Motherwell et Hélène Frankenthaler, donc Robert Motherwell, qui est aussi un des grands maîtres de l'abstraction américaine, très marqué aussi par la culture asiatique. Et à côté, vous voyez donc Hélène Frankenthaler, qui va être aussi une des grandes artistes de la technique du color field, dont elle a parlé tout à l'heure, donc beaucoup plus proche de Rothko. Parce qu'à l'intérieur de cet expressionnisme abstrait, vous avez d'un côté un côté plus gestuel, et de l'autre côté quelque chose de ces grands champs colorés. Donc encore quelques tableaux d'Hélène Frankenthaler, très fluides, très sensibles. Et enfin, on arrive donc au cas de Joan Mitchell. Alors vous voyez dans une toile comme celle-là, justement, de gauche, c'est ce paysage de ville. Tout à l'heure, je vous ai montré le tableau de Philippe Guston, véritablement un lien entre les deux. Ce que je voulais dire là, parce qu'on va peut-être conclure un peu, même si on verra les tableaux, c'est qu'on parle d'expressionnisme abstrait. Mais la problématique de l'expressionnisme abstrait américain est très liée à la quête analytique et à une volonté de mettre en avant l'inconscient sur le tableau, dans une continuité surréaliste, dans cet automatisme justement, et de mettre en avant ses angoisses, ses désirs à même l'œuvre.
Il y a quelque chose justement chez Joan Mitchell qui l'a fait dénoter de cet expressionnisme abstrait, parce que finalement elle est toujours dans une sensation liée à la nature. Et elle ne parle pas de ses propres angoisses, on peut lire ses angoisses. Tout à l'heure, la guide nous parlait dans la dernière salle de son désespoir quand elle a été quittée par Riopel qui est parti. Elle disait sa gardienne de chien, qui était une de ses élèves peintres, mais la seule, elle l'appelait la gardienne de chien, parce que Joan Mitchell vivait au milieu de ses chiens, et que finalement, bon. Donc mais ce que je veux dire, c'est que, bon, d'abord, quand cette peinture devient beaucoup plus noire, la vraie raison, outre sa séparation amoureuse, c'est qu'elle est quand même malade et qu'elle a un cancer de la mâchoire. Donc on voit dans sa période, enfin dans trois grandes périodes dans l'œuvre de Joan Mitchell, une première période américaine marquée par ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait, mais je voulais vous montrer qu'elle invente quelque chose de tout à fait différent déjà. Ensuite, sa peinture qui va devenir la période européenne à partir des années 60, plus 62, même si elle arrive en France beaucoup plus tôt, dans les années 50, enfin 55, et qu'elle rencontre Riopel à ce moment-là, mais elle va véritablement pouvoir mettre en avant sa production quand elle aura un atelier à elle, une chambre à elle, une chambre à soi, pour citer Virginia Woolf, et qu'elle aura son autonomie d'espace véritablement à elle, où elle va mettre en avant cette période européenne, marquée donc par le monde de la nature des banlieues parisiennes, mais donc dans cette continuité un peu, pour simplifier, de Giverny, Vetteuil et ce nouvel impressionnisme. Et enfin, une dernière période, une troisième période beaucoup plus sombre, qu'on voit avec les Tilleuls, qu'on voit avec la série des Grandes Vallées, et qui sont marquées par la maladie aussi, et cette volonté de continuer à vivre et de continuer à produire malgré la maladie. Donc voilà ici les premières périodes qu'on va qualifier donc de période new-yorkaise, donc d'impression sur la ville. Donc ça, c'est justement les premières œuvres quand elle arrive en France et où elle est, donc c'est le monde des ladybugs, donc les coccinelles, et donc déjà un intérêt aussi déjà pour la nature. Chacando Unago, donc ça c'est la recherche d'une aiguille dans une meute de botte de foin. Le piano mécanique, donc ça c'est une toile très très importante de Joan Mitchell, donc où on voit déjà un monde encore géométrique, comme on voyait dans les premières toiles, et donc qui marque cette seconde période européenne qui évolue justement. Donc, avec toujours cette forme au centre de la toile et ce vide autour, et dans des grands paysages, donc ici Girolata, qui est donc un des chefs-d'œuvre de Joan Mitchell, qui est malheureusement n'a pas pu venir pour l'exposition, et qui est lié à des émotions et à des visions qu'elle a vues donc en Corse, au village de Girolata. Ce qu'il faut dire aussi, quand même, dans la technique de Joan Mitchell, c'est que ses impressions, ses feelings devant la nature, elle ne les peint pas devant la nature. Joan Mitchell, elle peignait, donc je vous disais tout à l'heure, la nuit, elle peint des souvenirs. Elle peint les souvenirs de ce qu'elle a vécu enfant, dans la journée, les vécures des sensations qu'elle a eues avec des amis dans un jardin, ou des choses comme ça. Mais donc, c'est jamais une peinture naturaliste qui renvoie à un paysage donné. Ça renvoie plus à une évocation, à des échos d'un paysage. Et donc, cette série, donc, sur la Corse, ou alors ce fameux tableau qu'on a vu aussi dans la série tout à l'heure, il y en avait un, de mes paysages, celui-là, c'est le deuxième, on voit toujours ces formes comme des... et qui font aussi justement là peut-être plus penser à Matisse, quelque part, à des grandes luxuriances des paysages de Matisse, aussi bien de Provence que aussi de quand il va aller vers le Pacifique aussi. Et puis donc cette nouvelle période qu'on voit, qui était très bien représentée, j'ai trouvé dans l'exposition, qu'elle appelle ces territoires fermés. Donc c'est tout à coup on voit une nouvelle idée, c'est-à-dire que
la peinture d'où vient coup se concrétise aussi dans des formes, dans des masses comme ça. Donc on pense bien sûr aussi aux équilibres de Rothko. Et justement, on voit cette rythmique toujours, cette volonté dans la composition de tenir le rythme, de tenir la composition. Et on voit comme dans cette abstraction qui a l'air complètement lâchée, véritablement une très très grande maîtrise de la composition. Et la palette aussi qui change. Donc là, dans des toiles, justement, au titre extrêmement poétique, justement, en même temps, quelque chose de très important chez l'un comme chez l'autre, mais encore plus chez elle, parce que chez elle, finalement, c'est l'utilisation du diptyque, ou du polyptyque, ou du triptyque, donc qui vient de la tradition de la peinture de la Renaissance, à part qu'elle fait justement des diptyques ou des polyptyques de format exceptionnel, mais... Autant chez Riopelle, il utilise plusieurs œuvres ensemble, mais qui font un tout, autant chez elle, à l'intérieur même de l'œuvre, on voit deux éléments différents qui se répondent, qui se correspondent, qui jouent ensemble, et donc on voit deux œuvres complètement distinctes. Donc, fatalement, ce fameux grand tableau qui était exposé tout à l'heure, qu'on a pu avoir la chance de voir, qui est un de ses grands chefs-d'œuvre, donc le Jardin pour Audrey. Donc, tout à l'heure... Elle nous a quand même assez bien parlé des différentes influences et sensations. Mais quelque part, il faut se libérer de tout ça et simplement regarder la peinture en elle-même et se laisser transporter dans les paysages qu'elle propose et dans les harmonies qu'elle envoie. Et puis, donc, tout à coup, cette réapparition aussi du rouge qui redessine l'œuvre. Alors je voulais mettre en relation l'œuvre de Mitchell avec Cézanne, et particulièrement avec toute une série d'aquarelles de Cézanne et de gouache qu'il fait dans son jardin des Lauves, où il avait aussi des vues sur la Sainte-Victoire. Mais je trouve que quand on voit justement cette gouache, on voit véritablement le lien avec la volonté de Mitchell de revenir à ces sources de l'impressionnisme et puis ces différentes, cette grande musicalité qu'on a déjà à l'intérieur de Cézanne et ce jeu justement entre la réserve du blanc de la toile et les différentes touches, ces petites sensations qui structurent à l'intérieur de l'aquarelle. Là, on voit vraiment le lien avec la peinture de je trouve, avec la peinture de John Mitchell. Bon, encore tout à l'heure, on en a vu aussi beaucoup, donc une fameuse nymphéa de Monet. Donc on voit le lien, enfin, tellement aussi avec la volonté de Joan Mitchell de revenir à ces échos-là. Alors quelque part aussi, il faut se souvenir que chez Monet, dans ces nymphéas, c'est aussi une volonté de revenir à la culture du Japon, de revenir aussi à une certaine pensée asiatique, et qui est aussi extrêmement importante chez Joan Mitchell, dans cette culture américaine qui n'est pas qu'atlantique, mais qui est aussi un océan ouvert sur le Pacifique, et donc qui a un lien direct avec la culture justement asiatique. Et cette culture asiatique est extrêmement présente chez un des collègues de Joan Mitchell, qui est Sam Francis, qui va vraiment, lui, utiliser beaucoup de pinceaux japonais, et puis qui renvoie au zen, qui renvoie à cette pensée aussi de l'action, et une méditation très proche de la pensée bouddhiste. Donc les grands tilleuls qu'on a vus aussi tout à l'heure, quelques-uns à la fin de l'exposition, donc qui sont inspirés de manière là aussi un peu impressionniste quelque part, parce qu'elle va travailler aussi en série, donc on peut se souvenir des cathédrales de Rouen, de Monet, ou on peut se souvenir des gares, donc de cette volonté aussi de travailler en série, de répéter toujours la même forme avec des variations différentes, et puis en même temps, bon, le lien fatalement encore ici avec Monet. Bon, alors La vie en rose, qui est un tableau très important par rapport justement au titre, parce qu'il est justement à l'époque de leur séparation entre
Riopelle et Joan Mitchell, et avec une certaine aigreur et ironie, elle reparle de leur vie ensemble comme la vie en rose donc d'Edith Piaf. Mais cette vie en rose, ça a été une vie quand même d'un couple violent. Et si vous regardez un peu le catalogue, des grands critiques ou des poètes comme Yves Michaud ou Germain Viat, ou toute une génération de critiques d'art de l'époque, qui Philippe Piguet, qui les ont bien connus, toujours quand on parlait du couple, c'était toujours quand même un couple extrêmement particulier. Donc, véritable un peu d'humour en ayant utilisé ce titre pour clore leur relation amoureuse. En même temps, dans la touche, dans la palette, on revoit encore ici, je vous ai mis un autre tableau de Monet, donc ces jeux de miroirs, donc de formes qui se déploient à l'intérieur de la réflexion dans la rivière, et ces effets donc justement qu'on a aussi dans la palette de Mitchell. Donc la fameuse série des grandes vallées, qui sont en fait liées extrêmement liées à la poésie. Elle écrit qu'elle pense à un enfant, elle pense à ces moments où elle apprend qu'elle est malade, et elle pense à un homme qui retournerait dans la vallée de son enfance. Et cette vallée, elle ne la connaît pas. Et donc c'est cette volonté de repeindre le monde de son enfance, une sorte de paysage onirique rêvé. Donc encore dans cette série. Et moi, cette série-là, fatalement, quand on voit ces formes volées un petit peu en noir qui réapparaissent, on peut les lier donc ici encore au funeste corbeau du dernier tableau de Van Gogh, où donc ces fameux corbeaux noirs qui volent sur la plaine et qui vont... Ici, la toile est très complexe, il y a beaucoup d'interprétations, on y voit quasiment dans la route une sorte de crucifix aussi, et donc le tableau testamentaire avant son fatal coup de feu. Encore un petit Monet pour la route. Les rivières, qui sont une des grandes dernières séries aussi de Joan Mitchell. Encore un lien, je voulais vous montrer avec Cézanne. Les hommages encore à Van Gogh ici, avec toute sa série autour des tournesols. Alors, les tournesols bleus. Voilà, il y a quelques tournesols de Van Gogh. Voilà, ces grandes fleurs. Et alors, j'ai voulu vous mettre à la fin une série de tondeaux de Monet, parce que les dernières œuvres de Joan Mitchell, justement, vont être une série de tondeaux, donc de forme ronde. Et on a l'impression qu'elle revient un petit peu à ses premières amours. Alors, tout à l'heure, on parlait de calligraphie, de signature, mais en même temps, il y a aussi ses premières œuvres. Alors, je vous disais tout à l'heure, peut-être le bleu de Joan Mitchell. Elle parlait de quand elle peignait justement, elle attendait, comme elle peignait toute la nuit, elle attendait l'aube, l'aurore, et qu'elle parlait donc d'heure bleue, elle attendait cette heure bleue un peu étrange avant que le soleil se lève. Donc là, ça y est, des derniers tondeaux. Et ça, c'est une toile tout à fait exceptionnelle qui est conservée au musée de Caen, qui est aussi donc dans les dernières œuvres de Joan Mitchell, donc les chants, qui renvoie aussi fatalement aussi à toute cette pensée des impressionnistes et aussi de Van Gogh. Très très impressionnant, des très très grands formats. Alors toujours aussi sur son travail de diptyque. Et enfin voilà un des derniers diptyques qu'elle a produit, qui s'appelle Ici, et qui fait vraiment aussi penser justement à la dernière toile de l'exposition. Alors, nous avions aussi peut-être l'idée de continuer sur les différents couples dans l'art, mais ça sera pour la prochaine fois. Le catalogue, vous pouvez regarder, donc, qui est le catalogue de l'exposition consacrée à la galerie Jean Fournier,
et vous verrez tous les différents artistes, donc de la Galerie Fournier, dont Riopelle et dont Joan Mitchell. Bon, Riopelle va rester jusque dans les années 70 chez Fournier, puis après il ira à la Galerie Mag, mais elle va rester toute sa vie chez Jean Fournier. Et c'est un monsieur assez extraordinaire dans l'histoire de l'art français qui mérite qu'on s'y intéresse. Je vous remercie beaucoup. Merci.